On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, ouais. Plutôt qu'une autre planète fantôme. Étrange. Pas de cadavres. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Ça ressemble à des mécas. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Je vois des morts. On s'est fait repérer. Il y avait un bazooka le con. Lui un geste. Radza, laissez-moi m'en occuper. Oh Tali, c'est moi. Shepard. Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes. Ancien. C'est bien vous? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus. Baissez vos armes. Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques. Et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. Calmez-vous, Praza. Vétor, un Carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui vous fait croire que Vétor a survécu? Nous l'avons aperçu en atterrissant. Vous l'avez vu? Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? Vétor était blessé... comment dire... nerveux. Vétor a toujours été instable. En plus... sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mécas pour tirer à vue sur les intrus. Vétor est notre seule chance. Une bonne idée. Il faudra deux équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit devant.
il est explosé. Oh, il m'a fait rater mon... Ah, oh, ouais. Envoyez-leur une surcharge. S'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Oh merde. Ah putain, sauvegarde de tout, je sais pas si c'est comme dans le 1, si c'est la merde ou pas. Comment faire commencer le début quand même. Quand même. Non ça va. Arriver les premiers jusqu'à Véhétor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Ouais, je crois aussi. J'engage. T'engages ? Ta gueule. Je me casse. Je peux l'avoir. Ils nous ont repérés. De trouver Véhétor pendant que je m'occupe des blessés, Shepard. Il doit être quelque part, à l'autre bout de la baie de chargement. Ok, t'inquiète.
Avant, je pille un peu tout ce qu'il y a dans les maisons là. Je vais prendre ça, on sait jamais. On sait jamais, t'as raison. Les monstres sont revenus. Les mécas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Non, 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 non. Vaetor. Pas Vaetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vaetor. Les monstres. Je vous parle. Tu te calmes. Tout ce chemin pour rencontrer un crétin congénital. Quelle perte de temps. Les nuées arrivent. La tempête arrive. Tempête de nuées. Bon. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Vous êtes un humain. Vous avez réussi à leur échapper. Échapper à qui? Les... Mon cul. Monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Pourquoi est-ce que les colons n'ont pas résisté, Vaetor? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Mais si, les colons vous ne résistent pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Je croyais que les récolteurs préféraient se tenir à l'écart du reste de la galaxie. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Récolteurs, moissonneurs... Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Il y aura les jardiniers. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leur proie, et les monstres les emportent. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau, et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vaetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette, on embarque ce carien avec nous. Quoi? Mais Vaetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vaetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Pratza était un imbécile et il a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vaetor. Vaetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Oui, c'est moi. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vaetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Ça vous arrive jamais de jouer collectif? La diplomatie peut se révéler très pratique,
mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant ? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes Terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués ? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous, nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée. Ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Miranda et Jacob ne suffisent pas. Il vous en faut combien pour m'avoir à l'œil ? J'ai bien fait comprendre à Miranda et Jacob que vous étiez seul maître à bord. C'est vous et vous seul qui constituez votre commando. Tous les autres noms sur cette liste ont été choisis spécifiquement pour cette mission. Ce sont les meilleurs dans leur domaine. Je vais faire au mieux avec ce que vous m'avez donné. Je n'en doute pas. Avant que vous partiez, deux choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose ? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Joker, ouais ! Salut, commandant. On rempile comme en 40, pas vrai ? C'est bien fou, Joker. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est plutôt moi qui pourrais dire ça. Je vous croyais mort. Ouais, j'ai eu de la chance. Mais tout a appris. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi, alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas hésité. L'homme trouble, vous lui faites vraiment confiance ? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça.